Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de comment trouver un influenceur, notamment plus particulièrement sur Facebook. Donc il faut savoir que bon, vous souhaitez aussi avoir du trafic vraiment gratuit. Ça c'est bien, c'est une technique en fait que je vous invite à faire pour avoir. Parce qu'il faut savoir que sur Facebook, vous pouvez pas, enfin sur Facebook Ads, notamment sur les campagnes Facebook, vous pouvez pas cibler toutes les pages. Et ça aurait été bien. Forcément, c'est sûr que ça aurait été le top de cibler vraiment plein de pages. Alors là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est on va aller voir en fait des influenceurs qui peuvent faire la promotion de vos produits. Alors, très attention. Avant de contacter les influenceurs, sélectionnez bien votre produit. Il vous faut un produit qui cartonne, d'accord? Qui soit un produit winner, qui fonctionne à fond, d'accord? Ne proposez pas à un influenceur un produit qui ne cartonne pas. Bien entendu, essayez de proposer un produit avec une vidéo. Je vous conseille vraiment avec la vidéo. C'est très important parce que l'influenceur, quand il fera la promotion de ce produit-là, le fera sur sa page avec la vidéo. Donc, ça aura beaucoup plus d'impact. Et ce qu'il y a de bien avec les influenceurs, c'est que ça vous donne de la crédibilité avec votre boutique. C'est très important d'avoir de la crédibilité. Demain, un influenceur qui possède, admettons, 20 000, 30 000 fans et parle de votre boutique, eh ben, franchement, c'est tout gagné. C'est déjà donner une crédibilité, même au niveau de la fiche produit, vous pouvez mettre en avant. Vous voyez, vous avez déjà vu en fait en bas des pages, certainement, ils parlent de nous, voilà, avec les logos, etc. Ben, vous pouvez faire pareil en prenant le logo de l'influenceur, par exemple, et en disant, voilà, il parle de nous, en mettant le lien vers sa page, ça lui fera de la pub pour lui, ça nous fait de la pub pour nous, et voilà, ça donne une certaine crédibilité à l'article que vous vendez, d'accord? Parce que, tout simplement parce que l'influenceur va parler de votre produit. Alors, si vous avez un article qui cartonne, tout simplement, je vous invite voilà, à faire la promotion de cet article-là auprès de l'influenceur. D'accord? Donc, voilà, moi, je vous présente là aujourd'hui un logiciel qui me permet en fait bah, pas que, il y a plein de, j'ai plein de fonctionnalités sur ce logiciel, ça fait un moment que je l'ai, j'utilise tout le temps, je suis constamment connecté dessus pour aller fouiner un petit peu sur Facebook tout ce qu'il y a, et ça me fait gagner un temps énorme. Donc, je vous le présente. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans la partie administrative. C'est un logiciel qui coûte 39 $ sur le plan basique en fait, hein, d'accord. Vous pouvez prendre le plan étendu qui est à 59 $, il me semble. Vous ne payez qu'une seule fois ce montant-là, d'accord. Et après, ce logiciel-là vous appartient en fait. Hein, vous pouvez vous connecter en fait systématiquement dessus. Ok, donc voilà. Alors, suivant la thématique, là, je prends un exemple, cuisine. Ok, donc cuisine. Pam. Alors, je fais rechercher. OK, donc, thématique cuisine. Sortir, voilà. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce logiciel-là, les amis, c'est que, en fait, tout simplement, il vous donne toutes les pages qui concernent le mot-clé que vous avez passé, mais par ordre. D'accord? Ce que vous n'avez pas sur Facebook. C'est-à-dire que tout est mélangé. D'accord? Là, c'est par ordre. C'est ça qui est vachement bien. Là, par exemple, voilà. Moi, ce que je conseille, enfin, quand vous accostez, vous êtes nouveau, vous accostez un influenceur. Le but étant de, parce que là, si vous allez, par exemple, 750 grammes recette de cuisine, si vous vendez un produit qui cartonnait en cuisine, des fois ils vous répondent pas forcément, hein, ils ont déjà d'autres approches, etc., d'autres approches financières. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est tout simplement l'article gratuitement. C'est-à-dire que vous offrez gratuitement l'article à cet influenceur-là pour qu'il fasse la promotion de cet article-là sur sa page, d'accord? Donc c'est très important. Il n'y a pas tout le monde qui accepte ça, donc il y a pas beaucoup, y a certains influenceurs qui acceptent, il y en a d'autres qui n'accepteront pas, il y en a d'autres qui accepteront sur un produit, mais attention, moi quand j'approche les influenceurs, je leur dis que c'est uniquement sur ce produit-là que je veux faire de la publicité. Parce qu'il se peut qu'ils choisissent un autre article, mais non, moi c'est ce produit-là parce que c'est un produit winner, je veux qu'il soit diffusé, d'accord, sur sa page. Tout simplement. Donc ça vous fait ramener du trafic, les amis, pour rien. Le produit, vous allez le payer quoi? 4 euros?
Voilà, c'est de la publicité gratuite pratiquement, entre guillemets gratuite, puisque vous payez que le produit que vous l'envoyez chez lui. Le mieux, si vous voulez contacter plusieurs influenceurs, peut-être faites un petit stock. Petit stock, vous allez le payer. Allez, pour l'article qui va vous, je sais pas, 2 euros par exemple, vous allez en avoir 10. Contactez 10 influenceurs, vous lui envoyez, bim, hop là, il va faire la promotion de votre article, du produit sur sa page, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis dessus. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, par exemple, celui-là, elle est une cuisine. Alors, je vous ai préparé un petit texte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment commencer avec des fans, nombre de fans. Là, on est à 215 000 recettes de cuisine, Mercotte. Pas mal aussi, hein, un peu. Essayez de contacter, hein, ça ne vous coûte rien. Des fois, voilà, tout simplement, moi, je fais comme ça. Bim, on va sur Facebook. Hop là, pif. Elle est où? Cuisine Mercotte. Voilà. On a, comme vous pouvez le voir, 211 000 fans dessus. Voilà, super bien. Chouette, vous voyez. Donc, ça partage pas mal, hein. C'est 130 partages. Donc, c'est vraiment quelque chose que, voilà, essayez d'approcher. Approchez tout simplement. Vous avez la rubrique contact, like. Ben non, ben ça, par exemple, on n'a pas, je peux pas se faire contacter, mis à part sur le blog. Alors, vous pouvez contacter sur le blog. Je vous ai préparé un petit document. Regardez. Donc, voilà, tout simplement, ce petit document. Donc, bonjour. J'ai remarqué que vous avez une page fan vraiment sympa dans le domaine de la baba, votre niche, donc, et souhaiterais faire un partenariat avec vous en vous offrant un de nos produits phares. Si je joins le lien, d'accord. Le mieux, c'est de faire la vidéo. Comme ça, l'influenceur voit directement la fonctionnalité du produit. S'il trouve ça sympa, bien, il va vous répondre. En contrepartie, ce que nous demandons, c'est que vous fassiez la promotion avec la même vidéo sur votre page Facebook. Et en plus de cette contrepartie, nous mettrons sur notre site un lien sur la fiche produit, sur la fiche produit de cet article vers votre page Facebook. Donc, exemple, il parle de nous, etc. Donc, lien de la fiche produit. Donc, vous lui donnez le lien vers la fiche produit de votre article, donc de votre site, ok, en espérant vous donner. Vous pouvez tourner ça différemment. Moi, je vous ai mis un exemple là, mais vous pouvez dire ça autrement, d'accord? Ensuite, donc voilà, par exemple, bon là, par exemple, on peut pas les contacter, il faut passer par le blog, vous pouvez passer par le site directement, ok? Donc là, déjà, ça va pas, je cuisine créole, pas mal. Suivant ce que vous allez offrir, donc je cuisine créole. Bim, hop là, moi je mets ça, tac, ici. Donne un exemple, hein, voilà. Par exemple, ici. Tac, 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 tac. Voilà. 205 000, c'est pas mal du tout, hein, 205 000, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, ici vous pouvez le contacter par contre. Send message. Donc tout simplement, ici, bim, vous mettez le texte. Copier-coller, faites que ça. Copier-coller, 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 copier-coller. Et vous contactez plusieurs influenceurs comme ça. Suivant ce qui. Certainement, vous aurez des gens qui vont vous répondre. Voilà. Et vous les contactez. Ça vous fait de la publicité gratuite, les amis. Gratuit. C'est gratuit. Et là, vous avez vraiment un ciblage très précis, puisque c'est des gens qui sont passionnés par la cuisine et qui suivent ces pages-là. D'accord? Donc, vérifiez quand même, tout de même, vérifiez toujours les posts. Si c'est à jour, en fait, hein. Si la page, en fait, met constamment à jour des posts dessus. Donc, c'est très important parce qu'au moins, comme ça, vous voyez s'il y a de l'engagement sur les posts, tout ça, qui pourrait être intéressant. Notamment, voilà, on a 16 partages, 208 j'aime. Là, par exemple, si elle met une vidéo d'un produit, d'un article de cuisine qui cartonne, un produit winner qui cartonne, ben, ça peut aussi marcher pour vous, tout simplement, vous voyez. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. Au niveau du logiciel, ce qu'il y a de bien, donc là par exemple, c'est que par ordre, hein, vous voyez, 168, 166 000, 156 000, il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Si on pouvait cibler tout ça sur Facebook, ça aurait été le top. C'est pas le cas malheureusement. Mais là donc c'est à vous de trouver des stratégies. Et justement, cette stratégie-là paye. Je vous garantis qu'elle paye, puisqu'elle vous rapporte quand même beaucoup. Elle peut rapporter pour rien du tout, pour le prix du produit, puisque vous l'offrez à cette personne-là. Et cette personne-là, en contrepartie, pardon, fait la promotion de votre article.
et ça vous coûte rien. Donc voilà. Après, bon, la fonctionnalité de ce logiciel permet aussi donc d'espionner la page en question, donc en mettant en fait alors, les postes qui ont le plus cartonné. Bon là, c'est pas un truc très très, c'est pas une page que voilà, on fait espionner, c'est pas terrible. Mais par exemple, si vous avez, vous voyez la page d'un de vos concurrents, admettons un de vos concurrents qui fait aussi du Shopify, pareil, ben vous pouvez mettre espionner sa page par exemple, tout simplement, voir les meilleurs posts qu'il a mis. Les posts qui ont le plus cartonné, qui ont le plus de viralité, mais d'un seul coup, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur toute sa page, c'est lequel qui a cartonné le plus, voilà, on a 1200. Non, vous faites l'exercice, vous avez directement tout ce qui a cartonné. Alors, je vous donne un exemple par rapport à Bachelor Hut, le site que vous avez montré. Voilà, il est là. Donc, par exemple, voilà. Voilà. Alors, les posts qui ont le plus de likes et les posts qui ont le plus de viralité, donc la photo qui a le plus de viralité, voilà, c'est quoi? C'est celle-ci qui a le plus marché. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo. Et oui, c'est les vidéos qui cartonnent actuellement. Ah voilà, c'est ce produit-là. Après, on a ce produit par ordre. Voilà, tout simplement, par ordre. Voilà, on a eu ce produit, ce produit, ce produit. Voilà, tout simplement. Et ça, vous pouvez faire l'exercice tout simplement avec n'importe quelle page. Vous voyez, donc c'est énorme ce qu'offre ce logiciel-là. Bien entendu, vous pouvez faire ça manuel. Perdre beaucoup plus de temps. Mais moi, voilà, j'ai acquis ce logiciel-là. Ça me permet vraiment de gagner un temps énorme, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que si je trouve un concurrent et que je vois sa page Facebook et qui poste justement toutes ses publicités, etc., qui fait la promotion de sa page, tout ça, de ses produits sur sa page, bah, tout simplement, je regarde en fait son URL, je le colle, bim, ici, et j'espionne, je vois un petit peu voilà, laquelle qui a eu le plus de viralité, etc. Voilà, donc c'est génial comme logiciel. Il n'y a pas plus top, hein, la vérité. Donc, voilà, donc je vous retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo et d'autres petites astuces. Allez, je vous dis ciao, ciao!